Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente, je suis Han Dok-ju. Je m'occupe d'un poste de professeur à l'Université féminine de Sungnam à Séoul. Je dois d'abord remercier M. Oki Misuru et M. Nishiyama Noriyuki qui m'ont accepté dans ce colloque international. Quand j'ai reçu un email concernant l'ouverture de ce colloque-là, j'ai proposé ma parole dans ce colloque-là parce que cela m'intéresse beaucoup. Depuis le mois de novembre l'an dernier, je m'occupais d'une fonction pour promouvoir un peu l'enseignement des deuxièmes langues étrangères en Corée. Je vais en parler tout à l'heure. Ok. Maintenant, on parle beaucoup de la globalisation en Corée. La globalisation se comprend comme l'anglicisation, c'est-à-dire l'enseignement de l'anglais est beaucoup plus renforcé qu'avant. L'anglais n'est plus une deuxième langue ou bien une langue étrangère, au moins pour les jeunes coréens. Dans les rues, on rencontre souvent des jeunes coréens qui se parlent en anglais. Il y a des jeunes qui ont passé plusieurs années aux États-Unis, soit dans un pays où on parle l'anglais, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre. Même il y a des jeunes qui passent des années en Malaisie ou en Indonésie, même en Philippines. Parce que l'apprentissage est moins coûteux, je crois, dans ces pays-là. En Corée, on commence à enseigner l'anglais à partir de la troisième année de l'école primaire. Mais en fait, certains enfants commencent à l'apprendre avant même d'entrer dans l'école primaire. C'est-à-dire, à partir de l'école maternelle. L'école maternelle n'est pas obligatoire en Corée, mais presque tous les enfants la fréquentent aujourd'hui. Voilà, cela dit que les Coréens, les jeunes Coréens au moins, sont de plus en plus exposés à l'anglais maintenant, dès l'âge très jeune. Voilà, à propos de l'enseignement précoce de l'anglais, aux jeunes, il y a eu un débat sur le problème d'identité nationale et langagière chez des enfants qui n'ont pas encore établi leur identité. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a deux partisans, l'un pour, l'autre contre. N'est-ce pas? Parce que l'apprentissage d'une langue étrangère sera plus facilité si les gens l'apprennent dès l'âge très jeune. Et d'autre part, les gens qui sont contre disent que voilà, ils risquent d'être face à un problème de leur identité. Ils ont peur que les enfants tombent dans l'embarras de leur identité en s'instruisant d'une langue étrangère, c'est-à-dire de l'anglais par exemple. Je ne dirai pas plus en détail sur le problème là, mais de plus en plus quand même, on renforce l'enseignement de l'anglais dans tous les établissements, à partir de l'école primaire jusqu'aux universités. Je peux citer même un cas spécial, hein, au moment où l'actuel président a formé un comité pour la transition du gouvernement après avoir remporté la victoire à la présidentielle en décembre 2007, il y a presque 3 ans. Nous avons vu éclater un scandale qui portait sur l'enseignement d'immersion en anglais. Tout le monde se demandait s'il s'agissait de l'enseignement en anglais de toutes les matières. Mais heureusement, cet enseignement d'immersion n'est pas appliqué à toutes les matières. Mais je peux dire que, au moins, cet enseignement d'immersion s'applique au cours d'anglais. Depuis 2008, l'enseignement de l'anglais est renforcé dans toutes les écoles, de l'école primaire jusqu'à l'université, comme je vous ai déjà dit. Les enseignants d'anglais étaient obligés de suivre des stages pendant 1 ou 2 semestres pour s'adapter à une nouvelle méthode d'enseignement, une nouvelle méthode, c'est-à-dire de mener des cours en anglais. Le coefficient de l'anglais, c'est-à-dire le cours d'anglais par semaine, est augmenté d'une heure, de 2 à 3 par semaine pour les étudiants de l'école primaire. Alors que les collégiens et les lycéens apprennent l'anglais
4 heures par semaine en moyenne. Si on y ajoute les heures que les étudiants consacrent à l'apprentissage de cette langue par cours privé, on peut compter par plus de 5 ou 6 heures par semaine. C'est-à-dire, on apprend l'anglais au moins 20 heures par jour. Et puis cet apprentissage dure presque 10 ans, jusqu'au moment où ils entrent dans l'université. Même après cet apprentissage de l'anglais, il n'y a pas beaucoup de Coréens qui arrivent à parler couramment l'anglais. Voilà, c'est un phénomène un peu spécial. C'est pour ça que les jeunes Coréens ou bien les familles un peu riches veulent envoyer leurs enfants à des pays où on parle l'anglais. Dans beaucoup d'universités en Corée maintenant, on demande de donner des cours en anglais. Et au cas où l'enseignant mène des cours en anglais, on y offre un certain avantage, soit une subvention au titre d'un fruit de recherche, soit des points supplémentaires dans l'évaluation de ses activités. Ce mouvement est partiellement lié au fait que les universités coréennes cherchent à faire venir les étudiants étrangers. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers en Corée qui sont inscrits. Voilà, ils sont venus de Chine, du Vietnam et d'autres, comme de Mongolie, comme ça. On voit récemment qu'il y a une forte progression du nombre d'étudiants étrangers inscrits dans des universités comme ça. Cet avantage n'est pas équilibré dans le sens que l'importance est donnée surtout à l'anglais, pas à d'autres langues. À ce stade, je vais citer un système d'éducation des universités un peu. Chaque année, le journal quotidien Chungan, même aussi un autre journal important, Joseon Ilbo, publie un résultat un peu échelonné des universités coréennes. Ces résultats ont un impact important aux universitaires parce que l'échelonnement représente la qualité et le niveau d'université concernée. On avait apparaître le résultat de cette évaluation le 28 septembre 2010, il y a 2 mois là. Mais ce qui est important, c'est que la globalisation prend une grande place dans cette évaluation. Pour l'échelonnement de la globalisation, on a compté le nombre de matières menées en anglais et celui des étudiants inscrits, des étudiants étrangers inscrits dans l'université. C'est-à-dire que le nombre de cours en anglais et des étudiants étrangers servent à l'évaluation des universités en Corée maintenant, comme critère de globalisation. Et maintenant, je vais citer du système de contrôle du bac coréen. Les lycéens doivent passer le bac coréen pour entrer dans l'université. Parmi les matières du bac se trouvent les deuxièmes langues étrangères comme optionnelles. L'anglais est obligatoire pour tous les étudiants et on peut citer aussi 7 langues, deuxième langue étrangère, qui comprennent voilà, le français, l'allemand, l'espagnol, le russe, et le chinois, le japonais et l'arabe. Parmi les 7 matières, malheureusement, il n'y a aucune classe ouverte sur l'arabe. Mais il y a un phénomène un peu bizarre dans cela. Je ne dirais pas ça. Même s'il n'y a pas de classe ouverte sur l'arabe, presque la moitié des étudiants qui prennent les deuxièmes langues étrangères choisissent l'arabe. Voilà un phénomène un peu spécial. L'an dernier, par exemple, il y a environ 100 000 lycéens qui ont choisi les deuxièmes langues étrangères parmi les 620 000 étudiants qui ont passé le bac. Cela représente environ 18%, je crois. Après avoir réformé le curriculum d'éducation en 2009, il y avait un mouvement de bannir du bac les deuxièmes langues étrangères. C'est ça, au début je parlais de ça, c'est sur ce point-là que j'ai fait des efforts. Là. Les étudiants n'ont plus besoin d'apprendre des matières. Voilà. Si les deuxièmes langues étrangères sont exclues du bac, les lycéens n'auront plus besoin d'apprendre les matières, parce que ces matières ne jouent aucun rôle à l'entrée dans l'université. Pour éviter cette situation un peu catastrophique, nous avons protesté à plusieurs reprises contre le projet du gouvernement.
en organisant une association pour la normalisation des deux langues étrangères. Voilà, on attend maintenant la décision définitive du gouvernement et puis il sera prévu de, il était prévu de publier fin octobre, mais c'est pas encore pris. La décision n'est pas encore prise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause des efforts que nous avons menés jusqu'à maintenant, le gouvernement hésite à prendre des décisions, je crois. C'est pour ça que je voulais activement participer à ce colloque aussi. Et puis, même la semaine dernière, j'ai été invité par le rectorat de l'Académie de province de Gyeonggi, qui a fait un mouvement un peu important dans l'enseignement des jeunes langues étrangères. En statistique, parmi les langues des deuxièmes langues étrangères, environ 96, 80, 96, 80, non, 97, entre 97 et 98 sont occupés par le chinois et le japonais. Le français occupe environ moins d'un pour cent, je crois, au collège, parce que le pourcentage est très déséquilibré. Le rectorat de la province de Gyeonggi fait un grand effort en offrant une subvention importante aux collèges qui ouvrent les classes de langues européennes comme le français et l'allemand, et même l'espagnol. Et puis, il va encore intensifier, un peu élargir cet enseignement des langues étrangères, un peu diversifier du français ou bien de l'allemand, même dans des lycées aussi, en désignant des écoles un peu spéciales. Voilà, ce sont des lycées qui sont désignés un peu spéciales dans le sens que dans ces lycées, dans ces établissements, on enseigne plusieurs langues. C'est ça. On va ouvrir un séminaire sur ce sens-là. C'est prévu le 26 novembre, là, bientôt, pour un peu promouvoir cet enseignement un peu élargi. Voilà, c'est un fait incontestable que le monde d'aujourd'hui est globalisé. Voilà, on vit dans un monde où l'on rencontre dans des rues des gens de divers pays qui parlent des langues différentes. On dirait que l'anglais est apte à s'employer dans ces situations. C'est vrai que l'anglais a le mérite de jouer un rôle d'intermédiaire entre des gens de pays différents pour la communication. Mais ce n'est pas idéal de voir le monde globalisé uniquement par l'anglais. Voilà, en Corée, on a mis comme but d'éducation établi par le gouvernement, par la Corée, d'élever les jeunes avec l'esprit créatif pour faire vivre dans un monde globalisé. Le monde globalisé ne signifie pas le monde monopolisé par une seule langue. Ça doit être le monde où l'on voit la diversité culturelle et langagière. Les jeunes peuvent acquérir les esprits de créativité et d'originalité par l'apprentissage de multiples cultures et de langues. Voilà, en guise de conclusion, je dirais que l'anglais prend la position plus solide qu'avant et que les autres langues perdent encore du terrain en Corée. Que peut-on faire dans cette situation? Eh bien, je vais dire que l'on doit distinguer la globalisation avec l'anglicisation. Si l'on attend réellement le monde globalisé, on doit admettre qu'il n'y a pas que l'anglais dans le monde. On doit enseigner aux jeunes les langues étrangères aussi bien que l'anglais. L'anglais étant une des langues étrangères pour les Coréens, les deuxièmes langues étrangères doivent être traitées sur le même plan que l'anglais. Et cela doit s'appliquer également au bac coréen. Voilà un sujet qui touche le marché d'éducation en Corée et qui pourrait mener au débat du plurilinguisme. Voilà, merci beaucoup.